J'aurais voulu être un chanteur. Tu veux me dire que tu fabriques? Je chante. Tu veux bien nous dire, parce que de là où j'étais, c'était pas évident. Si tu me laissais m'entraîner, j'aurais peut-être une chance de m'améliorer. J'aurais voulu être un artiste. On l'a compris. Tu m'empêches de chanter. C'est une mesure de salut public. Le vautour, c'est vous! Comment ça, je suis un vautour? Du flan, par pitié. Du flan. Vous transformez en vautour. Il y a certains détails de votre déclaration de revenus qui recèlent des informations assez étonnantes. Est-ce qu'on a eu tout bon? Je ne comprends pas. Non, parce que nous avons pris soin de remplir toutes les cases. Toujours est-il que nous avons bien ri au bureau. Oh ben, nous sommes ravis si nous avons pu contribuer à détendre l'atmosphère au sein des services fiscaux. Mais quel genre finit la rigolade. Voici venu le temps. Des rires et des chants. Bon, monsieur les gens, en ce qui concerne votre validité, vous avez omis de fournir des justificatifs, et notamment le certificat A. Oui. Mais les yens, vous permettez de douter des contribuables et de faire payer les contribuables toutes. Vous insultez tous les anciens combattants. Alors que mon mari a été blessé à Dunkerque. À Dunkerque. En 1940. Non. À Dunkerque. En Algérie. Dunkerque. C'est un village au nord. Un petit peu au nord. Mais le vautour. Il fait le vautour. Le vautour. Le vautour. Quoi? Mais c'est plus le moment de penser à manger du flan. Plus tard, peut-être. Manger du flan? Plus tard. Chargé de saisie pour le compte de la société de crédit, Salman Finance. Auprès de la chambre. Le genre Paul. En voilà une façon de parler. La charogne, c'est moi. C'est moi une nouvelle mode. C'est fou que le langage administratif évolue ces derniers temps. Commençons l'inventaire. La savane est partie se battre avec une hyène qui représentait la loi de la jungle. Mais oui, pourquoi se bat-il au juste? Pauvre petite créature ignorante, je suis le maître, je suis le Deus Ex Machina, je suis le grand manipulateur! Ça, j'ai pensé que ça vous irait bien. Oh oui! C'est charmant! Je suis content que ça vous plaise. J'avais peur que ça fasse un peu vieux jeu. Oh non! Pas du tout! C'était très à la mode! Dans les années 1940! Ouais. Vous ne seriez pas apparenté à Maître Vautour, mais c'est justice. C'est mon cousin, je suis le père Condor. Encore à la place! Vous connaissez mon cousin? Disons que nous nous sommes croisés. Mais vous aussi, vous êtes un cœur. Je n'ai rien, c'est une charogne récalcitrante. Trop d'études de langage dans la famille. Je voulais dire un mourant récalcitrant. Je suis fier. Ma mère. Est-ce que tu connais ma mère? Eh oui, je lui ai apporté des boîtes de cassoulet et des vieux vêtements. Quoi? Et c'est tout ce que tu as trouvé comme cadeau là pour te faire accepter dans la famille? C'est pour aider. Mais il ne fallait pas. Si j'ai fait ça, c'est aussi pour toi. Tu sais, moi, le cassoulet.
Écoute, Joséphine, je veux que tu arrêtes de prostituer. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Oh, ça alors, ça m'apprendra à vouloir faire le bien. Vous êtes encore là? Madame Jean. C'est pourquoi cette fois-ci? Je viens de voir Joséphine et elle m'a chiffré. Vous connaissez ma fille? Oui, je suis étudiant comme elle. En psychologie? Ah non, en droit. Ah oui, cela m'aurait étonné aussi que vous soyez en psychologie. Je viens de la voir et elle m'a chiffré. Hein. Elle a un sale caractère, comme son père. Je viens juste de lui dire qu'il fallait qu'elle arrête de se prostituer. Comment? Ça vous apprendra. Paul! Paul! Ah, ma personne. Ma femme commence à se poser des questions, je reviens toutes les semaines avec la poker. Je crains pour mon mariage. Vous faites un métier dangereux. En 25 ans de carrière, je n'ai jamais eu l'occasion de m'en apercevoir. Il me semble que vous êtes trop énervé. Énervé? Mais pas du tout. Cette controverse théologique avec le père fondeur m'a bien détendu. Nous pourrions peut-être remettre cette séance de travail à plus tard. Je ne me sens pas au mieux. Alors les questions. Maintenant que je vous tiens, je ne vous lâche plus. Non, parce que je me demandais si je n'allais pas vous récuser. Me récuser? En vertu de l'article 32, alinéa 4 du Code de procédure fiscale, je suis en droit de le faire. Mais pour quel motif? Eh bien, disons qu'en tant que non-violent, je désapprouve la manière dont vous vous comportez avec Maître Vautour et le Père Condor. Mais c'est eux qui ont commencé. Je suis morte. De toute façon, je peux te dire qu'avec le redressement qu'il va nous faire, on en aura bien besoin des boîtes de cassoulet. Ah, Duflan, vous tombez bien. Et qui est ici? Mais qui ça? Mais ce fou sanguinaire. Oh, aucune crainte, il vient de partir. Oh, mon pauvre Duflan, il vous avait arrangé. Monsieur Lejean, je suis venu vous présenter ma démission. Mais vous ne pouvez pas me laisser maintenant. Si, c'est beaucoup trop dangereux de travailler pour vous. Vous m'avez pourtant certifié qu'on n'entrait pas au sein avec curé. Pourtant, vous voyez. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il était anticlérical. Tant que j'y pense, si vous vouliez appeler ma femme, elle ne veut pas me croire que quand vous êtes avec les cocards, sinon je travaille. Oh, bah il a oublié sa mallette. Alors, il va revenir, Duflan, non? Attendez, Duflan, c'est peut-être notre chance. Bah vous parlez d'une chance. Allons, Duflan, c'est une occasion inespérée de rectifier ce qui peut être rectifié. Allez au travail. Je vous ai dit que je voulais démissionner. Mais vous démissionnerez plus tard, allez. Vous savez qu'il est interdit de falsifier ces documents. Au point nous en sommes, allez. Bon, voyons ça. Yes, avec Jean-Marc. Marie dans le rôle de Sophie.